Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cet endroit où vous l'avez reconnu, c'est le Château Banana. Ce soir, c'est la nuit 2. Allez, c'est parti. Malheureusement, cette vidéo ne plaira sûrement pas aux fanas de paranormal. Je me devais de revenir ici et vous expliquer ce qui se passe réellement dans ce lieu. Le premier épisode que j'ai tourné il y a 4 mois de ça, j'étais un peu ignorant de ce qui se passait dans cet endroit. On m'a dit pas mal de choses, mais toutes ces histoires sont fausses. Je m'explique. J'ai beaucoup cherché sur ce lieu. J'entends déjà dire ceux qui sont fanas de paranormal me dire « Ouais, mais tu as eu pas mal de choses à la fin de la vidéo, notamment ta caméra qui fait du bruit et tu étais pas bien. » Certes, c'est vrai. J'étais totalement ignorant de ce qui se passait dans ce lieu. Et puis, le matériel, vous savez, avec l'humidité, peut jouer beaucoup. Sachant que le son que vous entendez dans la première vidéo, je l'ai boosté au max. Normalement, il serait inaudible dans le format brut. Voilà. Par ailleurs, je n'ai pas été seul à chercher la vraie histoire de ce lieu. Je vais parler pour cette personne anonymement, qui, d'après ces messages, confirme bien ce que je pense de ce lieu. Tout d'abord, ça appartenait déjà à des Allemands, ça, c'est sûr. Et il n'y a jamais eu quoi que ce soit de paranormal en ce lieu. Personne n'est décédé ici, c'est juste quelqu'un qui a abandonné. Voilà. Je lis le message. Ce lieu appartenait à un directeur d'une des usines voisines de cette ville. Puis il l'a vendu à un Allemand qui décida de faire comme une colonie de vacances, comme un gîte où il accueillait des gens. Ce qui explique les nombreuses chambres avec chacune sa salle de bain. Mais malheureusement, cet Allemand qui avait ouvert ce gîte, son affaire n'a pas marché du tout. Le château fut encore vendu à un Allemand qui, à son décès, le céda à sa fille polonaise. Cette fille d'ailleurs est toujours en vie. On raconte qu'elle reviendrait une fois par an pour entretenir les extérieurs. Mais on l'a dit, à partir de là, ce n'est pas vraiment vrai. Donc voilà, pour l'histoire qui confirme un peu ce lieu. J'étais pas obligé de venir une deuxième fois pour faire cette nouvelle vidéo. Mais je devais le faire pour que la vérité éclate et pour que surtout que ce lieu soit plus protégé, parce que des gens font n'importe quoi ici. Il y a des drogués, il y a des gens qui sont, comme je vous dis, à fond paranormal et qui mettent des bougies partout et font un peu leur rituel, leur connerie comme ça. Donc, c'est des choses qui ne me plaisent pas du tout, car ça va très vite, un peu comme à la clinique du diable. Le feu prend très vite, et ce serait dommage qu'un lieu aussi beau que ça soit encore dévasté davantage. Je reviens sur mon histoire de la première vidéo, et je vais venir parler de la petite mamie qui m'a fait peur en me disant « Ils reviennent à 3h du matin ». Je ne sais pas de quoi elle parlait. À 3h du matin, qui revenait, je ne sais pas du tout. Mais
que je sais de cette personne, malheureusement elle est décédée en novembre 2019, elle était souffrante d'Alzheimer. Donc elle s'est retrouvée là un peu par hasard, et puis moi aussi au final. Et ça m'a bien fait flipper, je dois l'avouer. Mais quoi qu'il en soit, ce lieu reste toujours magique. C'est l'un de mes préférés et c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste vraiment, j'ai envie de dire dans cet état, mais malgré qu'il soit bien délabré. Aujourd'hui, j'ai eu un peu plus du mal à y accéder. J'ai dû passer par cette petite fenêtre. Ça a été assez compliqué, mais je suis vraiment content d'être de retour ici. Et très surpris comme quoi tout est bloqué. J'ai été content de retrouver ce lieu avec vous dans cette nouvelle vidéo. J'y reviendrai ici, mais hors caméra. Et histoire de profiter vraiment pleinement du moment. Car c'est vraiment un endroit qui est magique et qu'il faut vraiment sauvegarder.